L'étude a été faite en 2021, commandée en urgence par l'État, la DGEC, pour voir s'il en était. Et en fait, ce sont des réservoirs de biodiversité. Les carrières, les anciennes carrières, les anciennes décharges, etc. Il y a plein de biodiversité. Et du coup, là, c'est des naturalistes. Avec une méthodologie, on va dire, qui ne leur plaisait pas, qui n'était pas celle qu'ils attendaient vraiment. C'est le CEREMA, pour ne pas le citer, qui a été retenu, qui est censé accompagner les communes, etc. Ils ont donné un chiffre qui circule beaucoup de 49 gigawatts. Alors ça ne vous parle sûrement pas les gigawatts. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de gigawatts photovoltaïques installés en France. Et dans les scénarios énergétiques, que ce soit ADEME, RTE, même mégawatts, on est grosso modo entre 100, 120, 150 gigawatts à installer. Voilà, donc Patrick Petit, au secrétaire départemental Les Écologistes, ELV Les Écologistes. Et Véronique Roussel, au secrétaire départemental de Saint-Sauveur de Montagut. Ah oui, on peut donner la commune en même temps, oui. Bon, moi je suis Saint-André-de-Cruzières, à l'extrême sud de notre département. Voilà. Oui, on va se reculer. Je me recule pour que. Oui. Voilà. Donc prenez des chaises, hein, c'est le boulot. Prenez des chaises là-bas. Et vous pouvez les mettre sur de la buvette, il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, il y a plein de niveaux de suite à envisager, hein, que ce soit au niveau national, mais aussi parce qu'il y a des échéances locales qui nous attendent dans un an et demi. Ça fait aussi partie des questions qu'on a à se poser. Hein, c'est quoi la suite, comment on voit, nous, le fait qu'on a affaire au gouvernement qu'on a et au fait qu'on a un délit de démocratie. Comment on fait alors qu'on a... On a eu à la fois un front républicain, une mobilisation citoyenne, une union sous la forme de ce nouveau front populaire, et puis on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, d'où la question, c'est quoi la suite maintenant, comment on fait, au niveau national bien sûr, mais aussi nous à l'échelle locale, départementale, comment on voit les choses. Voilà, je voulais juste rajouter qu'on va essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire chez les écologistes, un homme, puis une femme, dans la mesure du possible, pour les prises de parole. Alors, qui sera le premier ou la première ? Moi, mon premier constat, c'est de dire que quand la gauche a des échéances, quand il y a des échéances électorales, la gauche, on arrive à s'unir. Effectivement, ce qui est difficile aussi, de voir jusqu'où on peut faire un compromis, quoi, donc comment construire notre démocratie. Je crois que c'est aussi... Si on veut gouverner, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On est dans une situation de crise. Et on a un programme avec le NSP qu'il faut défendre absolument parce que c'est un programme qui est en rupture avec le système. Et si on ne fait pas ce programme de rupture avec le système, on va faire comme tous les gouvernements précédents, on va gérer le système et on va aller de mal en pis. Je pense qu'on a, on a quelque chose qui a été très mal compris de la part des grandes organisations politiques qui ont constitué le NPF, c'est que cet appel à un front populaire était venu quand même de la base des citoyens. Il y a quatre composantes dans le NFP, composantes qui ont signé un accord électoral. Mais je pense que la victoire ou le boulet est passé à côté d'avoir un gouvernement d'extrême droite grâce au fait que la société civile s'est impliquée. Réfléchir, quelle est la cause, quelles sont les causes et les conséquences du vote RN pour réfléchir sur les élections municipales, locales et municipales, ça veut dire aussi communautaires, parce que les deux sont liés. J'ai envie qu'on dise tout ce qui est en commun, qu'on a vraiment en commun, qu'on se l'approprie vraiment soi-même, parce que ça a été très très vite, ça a été quelque chose de fait en 15 jours, on s'est coltiné deux campagnes quelque part à la suite, après bon, l'été c'est compliqué, donc on n'a pas pris le temps, peut-être, à l'inverse, de se dire, eh ben, là-dessus, c'est notre socle à nous tous, là-dessus,
on ne dévira jamais, on est fort. Quand la gauche est unie, ou quand elle sait travailler ensemble pour le second tour par exemple, cela conduit beaucoup plus facilement à des victoires et à des politiques ambitieuses pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Et sur le PLF 2025, nous avons quand même réussi à avoir 10 propositions communes. Certains groupes de nos partis de gauche feront des propositions par ailleurs, mais avec un programme crédible de 49 milliards d'euros de recettes supplémentaires ou de moindres dépenses. L'autre jour, on s'est réunis en groupe, et notre groupe est tout à fait favorable à ce qu'on ait des actions communes locales. Alors ça peut être, je ne sais pas, des locales, des projets communs, et puis soutenir aussi, quand on peut, quand ça peut se décliner, alors décliner localement le programme du NFP, s'il y a des engagements communs, voilà, soit en projet, soit en ligne. Donc ça voudrait dire qu'en fait, peut-être, prévoir des réunions régulières du NFP local. Et plus de 80% de nos adhérents ont approuvé d'une part la NUPES, d'autre part le NFP. Donc, de toute façon, quel que soit, et malgré les réserves que les uns et les autres pouvaient avoir sur les autres partenaires, bien sûr, ça c'est évident. De toute façon, on n'avait pas tellement le choix, parce que le mode de scrutin tel qu'il est nous l'impose, et puis parce que aussi c'était quand même demandé par beaucoup de gens qu'on rencontrait. Je pense qu'on ne pouvait pas se dérober, ce qui n'était pas du tout le cas des Européennes. On n'a pas les mêmes modes de scrutin et pas les mêmes idées sur l'Europe. Donc les choses étaient claires. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive partout dans nos communes à se retrouver entre militants des différents partis de gauche et à monter des listes, à gagner ces municipales et à pouvoir et à réapprendre à travailler ensemble. Effectivement, en très peu de temps, pour ces élections législatives, on s'est mis tous à travailler ensemble. Alors des fois, ça a très bien marché. Des fois, il y a eu des petites frictions. C'était pas parfait. Mais en tout cas, on a réussi à faire les campagnes avec des résultats qui ne sont finalement pas mauvais. Donc moi, il me semble que cette expérience du Nouveau Front Populaire, elle est positive. Il faut qu'on sache la prolonger. Oui, il y a un bilan à faire. Oui, tout n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, on a de la construction à faire. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous y mettre, et localement déjà, dans nos communes. Je vois les camarades d'ensemble, je vois les camarades socialistes, des copains écologistes. Voilà, avec Odile, on avait monté une liste la dernière fois au municipal. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut construire quelque chose pour les prochaines municipales. Voilà, donc je lance une invitation, il faut juste qu'on trouve la date et la boisson. Il faut qu'on soit 33 sur Aubenas, donc c'est pour ça que... 35, ouais, avec Odile. Parce que l'union, il faut la compléter par l'action, comme quelqu'un l'a dit, avec les citoyens. Et pendant un an avant, nous avons fait des réunions dans les quartiers, avec des gens, pour construire ce programme. Moi, étant féministe, et je fais partie du planning familial, étant féministe, on a fait un groupe de femmes et hommes qui voulaient travailler sur cette thématique d'inclusion, hein, les femmes, les droits des femmes. Et on a préparé 2 pages qu'on a soumis à ce groupe qui allait se présenter et qui a commencé à le mettre en place. J'en parlais tout à l'heure, je pensais qu'après les élections, on allait avoir un peu de répit et pouvoir se poser un peu. Et puis en fait, on se prend l'ouverture d'un barrage qui détruit une rivière. On a un combat à Saint-Péret, on a énormément de choses. En fait, jour après jour, il faut qu'on arrive, nous, à communiquer, à discuter, à construire sur les valeurs que l'on a, les valeurs de citoyens. J'ai pas pu aller les premiers dimanches, de 8 juillet, 8 août, 8 septembre, à la réunion de la NFP. Et tous ceux qui se sont réunis, ils veulent pas qu'il y ait des partis dans leur réunion de l'Assemblée citoyenne. Alors je suis un peu étonnée, je me pose la question, pourquoi ils ont tant de réticence Ce qui est très présent, c'est qu'il y a en gros 2 courants. Un courant, pour faire simple, mais j'ai peur que le mot choque, mais il y a un courant plutôt anard qui ne veut pas avoir de référence à des partis existants, et d'autres gens qui sont complètement ouverts à justement à ce qu'il y ait des partis.
pour dire que en ce moment le Front National, pardon, il s'appelle comment Front National, c'est bien ça, Front National, est à un gros problème juridique. Hein, faut pas laisser passer ça. Hein, c'est maintenant qu'ils sont dans la merde et il faut qu'on appuie. Et alors, au sein de notre conseil municipal, bon, je sais qu'il y a un LFI, il y a moi, ben, comme élevé, il y a des gens à tendance écolo, deux ou trois, d'autres à tendance plus ou moins gauche, et puis il y a certains, on ne sait même pas, hein, c'est difficile à savoir. Ben, c'est vrai que, bon, au niveau bilan, on peut se pencher sur ce qu'on a fait, par exemple. Bon, ben, on a une station d'épuration écolo, c'est-à-dire par filtrage de roseaux. On a des panneaux photovoltaïques sur le temple et sur le parking de la mairie. On a fait l'extinction de l'éclairage public la nuit. Ouais, tout ça, ça n'a jamais posé de problème. Et bon, maintenant, pour les prochaines élections, il faudra refaire une liste. Je sais pas, on ne sait pas encore si le maire, par exemple, peut se représenter. Je lui ai posé la question, il dit je ne sais pas. Donc c'est pareil, on est obligé de prendre en compte les différentes personnes dans la commune qui ne sont pas forcément en accord avec nous. Par contre, bon, c'est sûr qu'il y aurait des limites. Moi, c'est vrai que s'il y avait une personne qui était du RN, ça, ce serait rédhibitoire, quoi, pour composer une équipe avec. C'est bien qu'on réussisse à mettre en place une structure permanente qui mène des initiatives et des combats communs. Parce qu'on est un petit groupe à s'investir beaucoup sur les sujets locaux, hein. Je pense à la basilique de Saint-Pierre-de-Colombier, je pense à ce qu'on fait souffrir à nos rivières, à la Besorge, la Bourges et peut-être d'autres. Non, je ne pense pas personnellement que, et la suite l'a prouvé, que c'était une bonne idée d'avoir des listes distinctes aux européennes et puis unitaires au niveau législatif. D'ailleurs, ça nous a été beaucoup reprochés, tous les médias ont mis l'accent dessus. Vous n'êtes d'accord sur rien 15 jours avant à une élection, et puis tout d'un coup, vous faites alliance 15 jours après et vous êtes d'accord. Forcément, ça ne passe pas ni pour les médias ni pour l'opinion publique. Voilà, parce que pourquoi perd-on? Pourquoi la gauche n'arrive plus à émerger? Ben parce que, et là, c'est un ancien socialiste qui vous parle. Parce qu'elle nous a trahis, tout le temps. Hein, moi, j'ai fait les campagnes de Mélenchon, les campagnes de quelques épigones qui ont suivi. Mais bon, ce sont quand même des gouvernements de gauche qui ont beaucoup, beaucoup privatisé. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Les élections sont passées depuis 6 mois maintenant. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Moi, quand même assez amer. Des opinions divergentes. Moi, je voudrais quand même rappeler que, en ce qui concerne les élections européennes, nous ne pouvions pas tromper les électeurs en dissimulant le fait que si le PS et Europe Écologie Les Verts avaient les mêmes positions sur l'Europe, quasiment les mêmes, tel n'était pas le cas du Parti communiste et de la France insoumise. Et aller aux élections en leur disant « voilà, nous sommes d'accord sur tout ». Et nous vous demandons de voter pour des candidats sur une liste commune, ça ne nous paraissait pas quelque chose de logique et en tout cas de respectueux des électrices et des électeurs. Sur le bilan du socialisme, Renzo, tu as été membre du PS, comme je l'explique toujours. Pas toi, non, tu n'as pas été? Non. Tu as été proche, en tout cas. Donc tu sais très bien que s'il y a eu effectivement parfois, je n'ai jamais dissimulé que j'avais sur certains points une analyse assez proche de la tienne. Il y a des grands moments aussi où la gauche a largement apporté quelque chose à notre société. Pour vis-à-vis de la réunion départementale, c'est ma faute, c'est mon erreur. Je me suis raté dans le frame à date et dans la réunion. Par contre, je tiens quand même à dire que toutes les composantes
ont répondu positivement au fait de faire cette réunion et que voilà, une nouvelle date va être, un nouveau framalade va être renvoyé cette semaine et que ça devrait arriver très rapidement. Voilà, voilà simplement se mobiliser pour se rencontrer et aussi définir ce dont on veut parler, je crois. Il faut vraiment définir bien ça. Voilà. La prochaine fois, que ce ne soit pas quelque chose en l'air et hors du contexte. Je peux avoir des griefs aussi auprès des copains insoumis pour X raisons, et pareil pour les communistes, parce qu'on a toujours des choses à reprocher aux copains communistes qui ne sont pas là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, on a un projet sur lequel on est tous d'accord, qu'on peut tous défendre, et évidemment, on ne va pas pouvoir le décliner mot pour mot dans nos projets municipaux en 2026, mais par contre, ce que ça a démontré, c'est qu'en fait, ouais, j'aime pas Michel qui est dans le quartier voisin parce que lui, en fait, il a toujours été socialiste. Et la dernière fois, quand il était avec le maire, il a fait ça et j'étais pas d'accord avec lui. Mais en fait, on est d'accord sur pas mal de choses quand même. Et le gouvernement ne tient que parce que Marine Le Pen est d'accord. Donc, et tout le monde, en tout cas à l'échelon national, est d'accord pour se dire que très probablement, on aura une dissolution l'été prochain. Donc, on a un enjeu fort et rien que de survie à gauche. Je voulais me rappeler le week-end que nous avions vécu à Chazon, je crois. Oui. Et qui avait été, à mon avis, très intéressant. Oui. Et en présentiel et en relation, je trouve que c'est bien de se voir pour échanger. Merci. Hein. Je trouve qu'au-delà du militantisme, de la distribution de tracts de porte à porte, c'est cette mission d'éducation populaire, d'éducation à la politique, aujourd'hui nécessite vraiment d'être remise au bout du jour, surtout dans cette constellation absolument extraordinaire et pleine de puissance qu'est le NFP. À partir du moment où celui-ci est transformé, moi personnellement, ça me donne envie d'aller voter au municipal. Alors pour l'instant, ce n'est pas exactement la grande folie, on y allait par devoir républicain. Mais ceci dit, pour rappeler l'engagement qui est ce vote-là, qui est le résultat de ces élections, ce n'est pas vous qui avez réussi quelque chose, c'est des gens qui sont venus vous faire confiance. Et on parle des trois blocs à l'Assemblée nationale, mais il y a un bloc aussi important, même encore plus important, de ceux qui n'ont jamais voté, qui ne votent plus, ou qui sont dégoûtés de la politique. Et c'est là que je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur le pourquoi, avec un beau programme qui répond à des besoins importants et auxquels on croit, une partie énorme de la population n'a pas confiance en nous, pour exercer et mettre en œuvre ce programme, dont les 11 millions de pour le Rassemblement national. C'est aussi parce que je pense qu'on ne renvoie pas une image désirable de ce qu'est la politique et de ce que nous pourrions faire. Et c'est à ce titre que je rejoins les choses qui ont été dites aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a un hiatus entre une société démocratique, fraternelle, antiraciste, etc., antidiscrimination, qu'on met en avant, et l'image qui est renvoyée par les pratiques de nos partis et notamment de nos directions, et nous, en tant que militants de base, nous devons faire en sorte que nos appareils donnent l'image que le programme veut renvoyer. Je souhaiterais quand même qu'on ait une plus grande proximité. On a aussi une dette, il ne faudrait pas l'oublier, vis-à-vis de toutes les associations qui ont appelé à voter pour le nouveau Front Populaire, qui mouillent la chemise et qui sont sur le terrain, elles, qui ne font pas beaucoup de beaux discours et d'intériorité de 6,5, mais on a cette dette-là vis-à-vis d'eux, et si on a cette dette vis-à-vis d'eux, de ces associations, donc d'elles, eh bien, on a une dette, donc, de fait, vis-à-vis du peuple français. On a le devoir, nous, de continuer de se rassembler au plus près des problèmes des gens. Donc là, c'est pour ça que bon, les municipales, moi je ne veux pas qu'on dise les municipales, c'est dans un an. Donc les municipales, ça se prépare maintenant. Mais ça se prépare en étant sur le terrain et en étant ensemble sur le terrain. Voilà, donc sans problème d'étiquette,